Tina Zhao, bonjour. Essie et fille, comment vous allez? Bonjour, bon matin, bon après-midi, bonne soirée. Partout où vous êtes, est-ce que j'ai partagé? Il faut que je m'en assure. Ok. C'est bon. Bon, c'est bon ici. Comment vous allez? Aya Mwae. Awa Love Chou. Comment ça va? Maë la métisse. Vous allez bien? Bon, on va parcourir. On a beaucoup de choses à se dire. Attends, je vais. Oh mon Dieu, j'ai oublié de. Je vais prendre un jus. On a beaucoup de choses à se dire. Avant que je vous donne les raisons qui ont motivé mon départ de la Libias. Miku Fortuna, partagez le direct hein, avant que je commence à parler. Ou on vous donne les Congo, ça là-bas, vous partagez. Partagez. Olivia, Jesse Kofi, comment vous allez? J'ai un arrière-goût qui me fatigue. Babouaou, Fadouaou, Koné Diabaté. Mama Karamoko, merci beaucoup, tu as partagé. Miku Fortuna Tano, il y a les bons partageurs. Eux, quand ils arrivent, tu n'as même pas encore ouvert la bouche, ils partagent déjà. Ça, c'est bien. Et puis, il y a ceux qu'on aime supplier. Et puis, il y a ceux aussi qui aiment aller partager, que bon. Ils savent ce qu'ils aiment partager, hein. Partager. Quand vous allez commencer à partager, je vais. Avant tout, je voudrais. Ouais. Je voudrais dire merci. Ouais, ça c'est mon sac pour aller. Merci à ces mamans des États-Unis. Ouais. Tout ce que vous voyez, je m'en vais expédier. Attends, je vais mettre sur quelque chose. Sur quoi est-ce que je peux mettre là? Ok. J'ai oublié le sac là-bas. Ok, c'est pas grave. Voilà, j'ai quelque chose ici où je vais déposer. Mettre ça sur ce sac là. Voilà, j'ai trouvé quelque chose. Je vais poser ça là. Je voudrais vous dire un grand merci en direct. Ça, ce sont les commandes des États-Unis. Ouais, que ouais, je m'en allais avec vos commandes. J'avais déjà deux autres aussi que j'avais prévues. Donc, ça fait que bon, comme je c'est pas sûr que je parte en voyage, donc j'ai décidé de vous expédier ça. Vous êtes des dames sérieuses. Vous voulez m'envoyer le PayPal d'abord? J'ai dit non, il faut que vous voulez m'envoyer l'argent. J'ai dit non, il faut que je pèse d'abord. Et puis je vais vous envoyer. Et puis après, on va voir. Ça s'en va au Texas. Ça, c'est celui du Texas. Je vous montre vos commandes. Ça, c'est. Ça, c'est pour où? Partagez, hein, profitez pour partager. OK. OK, j'ai vu. Ça, c'est pour New York. Ça va à New York. Ça, c'est, comment on appelle ça? Ça, c'est une pièce. Ça, c'est six morceaux. Ça va en Virginie. Voilà, aux États. Ça, c'est. Il y a une aussi à Québec ici qui a commandé deux morceaux. Je vais t'expédier tes. Après, ici, je m'en vais à la poste. De la poste, fais un peu d'épicerie et puis je m'en vais au sport. Ouais, ça va en Caroline du Nord. Ouais. North Carolina. C'est là que ça s'en va. Et puis, ça, c'est pour ma chérie de Québec qui a commandé deux morceaux. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Je voudrais vous dire merci à toutes ces mamans qui m'accompagnent dans ce projet.
Elle dit, Tiffany, tu vas avoir aussi, comment on dit ça, tu vas avoir, comment on dit ça, une qui va t'appeler, elle veut commander trois complets. Voilà, donc tu vas les avoir du côté de la France. Vous avez commandé là-bas les pagnes du côté de la France, mais vous l'avez appelé, mais vous n'avez pas encore pris vos commandes. Merci beaucoup. Donc ici, puisque je ne pars plus avec les deux autres que j'avais mis en surplus, il m'en reste 5 complets ici. 5 ou 4? 4 complets, 2 morceaux. C'est ce qui me reste. Voilà. Merci beaucoup. Dans ma vidéo où j'avais parlé tantôt, si, ok, Bertine, tu es là, tu peux m'envoyer le lien. Je vais épingler ça. Pour toutes celles qui veulent toujours commander le panier. Les vivres seront au Canada la semaine prochaine. Ce n'est un secret pour personne. Moi, je suis une personne honnête. Je vous ai dit que les affaires ont accusé un retard. Donc, c'est ce retard-là même qui a bouleversé mon voyage. Pour une fois, j'allais aller découvrir l'Ohio, la Cleveland, là-bas. Malheureusement, c'est reporté. Ouais, ça allait me faire mon 8e état. Ouais, je connais cet état. Hein. Voilà. Et pas parce que je suis venue sur les réseaux sociaux que je voyage. Moi, je suis une voyageuse. Voilà. C'est le temps qui me manque. Sinon, les moyens pour voyager, j'en ai. Ok. Justement, vous aviez été, je crois, 5 ou 6 personnes qui m'aviez demandé. Parfois, dans mes vidéos, je dis des choses. L'impacteuse, parle-nous de ta machine, là. Ben, ça s'appelle le air fryer. Voilà. Friture avec air. C'est ça, c'est banal ça. Ici en Amérique, partout en Europe, vous avez ça là-bas. Merci beaucoup, Bertine. T'as mis le lien, je vais épingler. C'est que si son manger n'est pas doux comme quand on frit dans l'huile là, hein, ça c'est clair. Mais c'est bon. Surtout le poulet. Quand tu mets le poulet dedans, tu peux le faire deux fois, 15 minutes, deux fois. Et puis c'est bien doré. Ça te donne du poulet bien doré. Tu assaisonnes ton poulet bien d'abord. Tu peux mettre tes oignons, comment on appelle ça, tout ce que tu veux là, comme si tu mets le poulet au four là, mais il faut les découper un peu en petits morceaux comme ça. J'ai passé la commande sur WhatsApp. Ah oui, je vais te rejoindre. Foufou KF. Ok, je vais te rejoindre. Pardon, envoie-moi un message tantôt, je vais te rejoindre. C'est ça. Donc tu découpes, tu mets tous tes trucs dedans et puis c'est fait là. Voilà, ça coûte pas cher. Je pense que en ce moment même, j'ai vu quelque part, ça y est en promotion, $100. Voilà, c'est quelque chose de banal là. On peut faire les frites dedans. Voilà, il y a les frites, le porc, les crustacés, les crevettes. Comment on dit ça? Le gâteau. Tu peux faire ton gâteau tout assaisonné, tout, tu le mets dedans. Les pilons, le pilon, c'est le cuisse de poulet là. Et puis, la viande, le steak. Le problème, pourquoi j'aime pas mettre la viande dedans, il faut que tu le... Ça dit, tu le mets, tu dois encore revenir, le remettre deux fois, trois fois. Moi, la viande, je mets au four. C'est surtout les frites et puis le poulet. Au lieu de frire le poulet, je le fais ici. Ça coûte pas cher, c'est quelque chose de banal. C'est ça que ça... Après ça, tu mets l'activité sportive dessus, tu es en pleine forme. Ça chauffe pas. On doit faire du sport. Voilà. Le sport, ce n'est pas une question de... Je vais maigrir, je vais grossir. C'est pas une affaire, c'est une affaire de bien se sentir dans sa peau. Il faut faire une activité sportive. Donc, ça, c'est pas insulter quelqu'un. Donc, les femmes. Voilà. Je dépose ça ici. Après ça, je m'en vais à la poste. La poste, après, on va au sport. Bon, êtes-vous là, là? Partagez. Profitez pour partager d'abord. Voilà. Partagez. Je vais voir combien de partages on est rendu là. Abandonner. Partager. Vous aimez les Congos, mais vous n'aimez pas partager. Partager. Attends, mais viens me mettre sur la table. Je vais me mettre sur la table aujourd'hui, là. Je suis fatiguée. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci. Voilà. C'est tout. Ici, encore même, c'est meilleur.
Je suis là. Nesigila. Ok. Ça me prend mon deuxième téléphone parce qu'on va écouter les trucs de Peter. On va les écouter. Voilà. Donc, vous qui voulez la machine air fryer, on peut l'avoir ici au Canada, à Canadian Tire. Yeah, Canadian Tire, vous pouvez l'avoir. Moi, j'ai acheté pour moi il y a longtemps. Hein. C'est pas aujourd'hui que je l'ai acheté. Merci beaucoup. Ça, c'est ma tenue de sport. Après ça, je m'en vais au sport. J'ai beaucoup de courses à faire. Et puis, je m'en vais au sport après. Voilà. Dis, t'es fraîche. Merci. Ok. Mes amis, je vous ai dit. Pourtant, hier, quand je faisais ma vidéo, je ne savais pas. Bon, je sais que Peter avait fait sortir des voice. Il avait parlé. Mais je ne connaissais pas le contenu. Voilà. Attends, je vais baisser ça. Oh, Bettine Payet, toujours des étoiles pour moi. Merci. Je ne connaissais pas le contenu de ce qu'il avait dit. Parce que vous savez qu'avec le décalage horaire, parfois je vois juste des vidéos sur des coupures de vidéos sur YouTube. La majorité des vidéos dont je viens parler sur les réseaux sociaux, c'est sur YouTube. J'ai regardé. Je ne suis pas abonné à une page de quelqu'un. Et moi, sur YouTube, je regarde là-bas. J'ai une page là-bas où je suis, où il y a toutes les informations qui viennent là-bas. Voilà. Et puis, j'écoute un peu les morceaux, et puis je viens, mais je ne savais pas que ça chauffait. Ah oui, 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 je ne savais pas. Oh boy, comme disent les Québécois. Quand le Québécois dit oh boy, là, ça veut dire qu'il est dépassé même. Ouais, ça, ouais, ça, bon. J'ai mis Peter en même temps, mais mes coach Peter. Ah, non, je n'avais pas menti, Peter était devenu un coach. Eh là là, les choses des réseaux sociaux. Ah, mania. Peter. Ah, le voilà ici. C'est pas lui, il cherche quelque part où il a écouté sa vidéo. Partagez. Connaissez Kaga. Partagez, oh, partagez. Aujourd'hui, c'est samedi, j'ai tout le temps. La poste fait marquer le même. Je crois que la poste même ouvre à midi, hein. Ok, midi. Ouais. J'ai quelque part où j'avais vu sa vidéo. Quelqu'un a mis ça sur une page. C'est cette vidéo-là que je cherche. Sur YouTube. Oh. Voilà. J'ai trouvé. Bon, Peter 007 a parlé. Je vais vous donner les raisons de mon départ à la Libya séance. C'est pas compliqué. Voilà. C'est pas compliqué. Tout ce que je vous demande, c'est de partager. Voilà, Peter 007 a parlé. Bon. Pas les injures. La personne prend ça. Elle met ça sur son snap. Ok, il est en train de parler. Les gens de snap récupèrent ça, mais suite. Tu m'insultes en inbox. Moi, je t'insulte en inbox. Dans quel couple ou bien quels sont des ex? Combien d'ex que vous connaissez qui ne s'insultent pas en inbox? Tu m'insultes en inbox. Je t'insulte en inbox. Bon, c'est pas moi qui ai dit, hein. Peter dit que. Moi, je trouve que je suis trop. Je trouve que je suis trop haute façon là. Attends, je vais me mettre là. Ce truc là est trop. On va décrypter un peu sa vidéo. J'ai dit c'est samedi, mon cher. Si les gens nous donnent du travail, on fait. Voilà. Là, je crois que je suis correct là, comme québécois. Dans cette lumière qui dérange en arrière. Ok, fine. Bon, Peter dit que
Les voices qu'on a vues sur les réseaux sociaux, les bon, pas les voices, c'était pas des voices, c'était, je crois, des écrits. Les écrits ou bien tout ce qui avait été dit sur le, ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, tout et tout, c'était dans le inbox que ça lui avait été envoyé. Vous comprenez? Voilà. Ok. Donc, c'était dans le inbox que tout lui avait été envoyé. Et du coup, quand son ex a fini de lui envoyer ça, elle est venue déposer sur les réseaux sociaux, elle est venue déposer ça sur son Snapchat là-bas. Et dedans, il y a des injures jusqu'à aller toucher sa famille. Pour elle, qu'elle a pris pour m'insulter là. Pour elle, qu'elle a mis ça sur les réseaux. Pour elle, là, elle n'avait pas mis. Lui n'a pas mis. Pardon. Pour moi-même, que je lui ai envoyé. Pour moi-même, que je lui ai envoyé. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Comment ce voice s'est retrouvé sur les réseaux? Marie Mousseau, tu connais pourquoi je suis contente en ce moment? Marie Mousseau, je te réponds. Je suis contente parce que finalement, j'ai trouvé un consensus avec ma fille. Parce que ma fille était fâchée avec moi. Pour te dire, voici des choses qui préoccupent ma vie. Donc, actuellement, vous êtes contente là. Je te retourne ça toi-même. Moi, je suis contente parce que finalement, ma fille a trouvé un point de chute où elle va aller fêter. Ça dit que c'est sa fête de Noël. On s'entend bien, elle me raconte ses affaires. Hier, elle est partie au basket, elle est venue, elle me raconte ses affaires. Voici ce qui est important pour moi. Donc, vous êtes contente là, je te retourne ça. Hein, Mawa Boudoupra, je ne suis pas partie dans leur maison pour prendre le dossier. Est-ce que vous vous êtes posé la question? On ne s'est pas posé la question, Peter. On ne s'est pas posé la question. C'est toi seul. Nous, c'est pour toi seulement, on regarde. Tu comprends? On ne s'est pas posé la question. Ouais, la ouais. Famille, là, chez moi, c'est sacré. La famille est sacrée chez tout le monde. C'est pas chez toi seulement. Avec Don Giovanni, je suis sorti parce qu'il a insulté ma maman. Ok. Partagez. Je vais admettre que quelqu'un vienne insulter mes parents et puis je vais laisser. Ok. Je peux pas admettre ça. Je peux pas accepter ça. C'est vrai, j'ai été dur dans ce voice. Très dur. Dans ce message-là. J'ai été dur. Mais c'est entre ex et ex en inbox. Entre ex. Je suis pas venu sur les réseaux pour. C'est ça, je l'ai dit hier, Peter. C'est pas ce que j'avais dit hier. Il a dit, il dit que les voices, c'est entre ex et ex. Mais dis les mots embêtés. C'est entre ex et ex. Donc, ça veut dire que c'était parlable entre deux personnes dans le inbox là-bas qui était arrivé. Mais on envoie sur les réseaux sociaux toujours à la recherche de la compassion. Toujours, on a envoyé ça sur les réseaux sociaux pour diaboliser l'autre. Parce que Peter, comme je vous ai dit, il est comme le vase de nuit, comme on dit dans notre jargon, le cloaba. Son nom est déjà gâté. Il y a bien le nom de Peter Gapi. Donc, on envoie ça déjà là. C'est pourquoi on dit, oui, le même Peter encore. Hein? Peter, il ne change pas. Vous savez pourquoi dans ce dossier-là, moi, je ne vais jamais, ça dit que condamner Peter. Parce que Peter a fait ça ici. Quand il était avec la star, personne n'a condamné ça. Les féministes, les femmes qui disent, on expose une femme. Quand Peter avait exposé la mère de son enfant, pendant qu'il était avec votre star, qui est venu pour dire que le beau des beaux? Le beau des beaux, attention. Oui, c'est vrai, tu es notre beau. On t'aime, tout et tout. Mais ça, là, seulement, là, nous, on n'est pas d'accord avec toi. Qui avait fait ça? Tous les défenseurs de l'autre, là. Est-ce que vous avez fait une vidéo, au moins, pour interpeller? Si vous avez fait la vidéo que nous, on n'a pas vu, bon, nous, on s'excuse. Mais cette vidéo-là, si vous l'aviez fait, on l'aurait vu. Donc, c'est le même Peter. Peter, là, c'est le même Peter, là, qui est là. Hein. Oh, il a changé. Peter n'a changé. Peter n'a pas changé. Je ne suis pas venu sur Snap ou bien sur Facebook pour insulter une femme. Tous les ex s'insultent en inbox et ça reste en inbox. Peter Nana, je vais parler un peu dans le jargon aussi un peu. Peter Nana, oh ma Snapchat crou Guy, on y ma Snapchat crou là. Vous comprenez? Mon y ma Snapchat crou là.
ma missi popo mou dans le noir. Dans le inbox, ma wak banirao, c'est dans le inbox qu'ils avaient parlé. Vous comprenez? Même si tu n'aimes pas quelqu'un, il faut quand même écouter aussi ce qu'il dit. Hein. Pas là. Il dit que c'est pas lui qui a envoyé, c'est ce que vous dites dans mon yo. Il dit que c'est pas lui qui a envoyé sur le Snapchat là-bas. C'est pas Peter Gbao, c'est ce que Peter a dit. Peter, continue, Peter, on t'écoute. Tous les ex s'insultent en inbox et ça reste en inbox. En tout cas, quand on se sépare, on fait parler en inbox, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Cette personne a fait exprès de balancer le voice pour que les gens prennent la position. Tous les ex s'insultent en inbox. Même les couples s'insultent. Mais quand on se sépare, est-ce qu'on est camarades? On n'est plus camarades. Aïe. Même cette personne, elle raconte à tout le monde que sa soeur Muriel, son mari l'insulte tous les jours. Mais comme il n'est pas connu, ça ne sort pas. Comme nous, on est connu, c'est nous, on s'allie. C'est aussi clair que ça, Peter. Je ne vais pas passer tout ton truc ici. Mais la vérité est là. Il a dit, dans les inbox ici, là, il y a beaucoup de choses qui se disent dans les inbox. Florent Beau, si tu es pressé que j'ai dit, je vais parler de la Libyas. Je n'ai pas encore parlé de la Libyas. Il ne faut pas être pressé. Tu vas entendre pourquoi ici j'ai quitté la Libyas. Vous comprenez? Maïdine n'a qu'à lui remettre son argent. Qu'on lui remette son argent et ça finit. Ah! Parce qu'à faire de l'argent là aussi est revenu là encore. Hein. Bref. Ce qui avait été dit sur les réseaux sociaux, tout ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, c'était dans le inbox. Donc comment ça s'est retrouvé là? Ça veut dire que quand on parle aussi aux chiens, on doit parler à l'os. Vous voyez? Vous avez vu les dérapages? Vous voyez où on en est rendu? Vous comprenez? C'est pas digne. C'est vraiment pas digne tout ce qu'on a entendu hier. Tout ce qu'on entend en ce moment. Un homme avec lequel tu es sorti là, ou bien une femme avec laquelle tu es sorti, tu peux plus venir encore. Ça dit détailler. Mais on a dit, ça fait toujours mal pour une femme. Quoi qu'on dise là, ça fait toujours mal. Tu vas dire un peu, mais ce que l'homme va venir te dire là, ça fait mal. Mais même quand j'avais commencé dans mes débuts sur les réseaux sociaux, je l'ai dit, la nudité d'une femme qu'on vient mettre sur les réseaux sociaux avec celle d'un homme qu'on vient mettre, c'est jamais le même engouement. Aujourd'hui, là, on va voir une personne qui est célèbre, un homme qui est célèbre, ses nudes viennent sur les réseaux sociaux. On va en parler peut-être en quelques heures, en 24 heures, ça passe, mais la femme... Ta nudité se retrouve sur les réseaux sociaux, ben c'est vraiment quelque chose, comme on dit. Donc, qui a quelque chose à perdre dans tout ça? C'est Eka qui a de quoi à perdre dans tout ça. Le beau des beaux n'a pas changé, il est pareil, je l'ai dit. Il est pareil tel qu'il était depuis toujours. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on le laisse tranquille. Quelqu'un qui avait déjà fait pour une autre femme, vous croyez que quoi? Parce que c'était elle, donc il n'allait pas faire. Je sais que où elle est assise là-bas aujourd'hui, là, elle regrette. Tu comprends? Ça dit, elle regrette aujourd'hui. Pourquoi je me suis mis à ce monsieur-là? Il n'y a pas une femme qui ne va pas regretter ce qui est en train d'arriver. Comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, Peter n'est pas mon camarade. Hein? Peter n'est pas mon camarade. Il n'est pas mon camarade aujourd'hui. Mais dans ce dossier-là, j'ai toujours dit que je vais le supporter qu'à la gare. Je vais le supporter. Parce que ce qu'il est en train de faire là, nous autres, on n'est pas surprise. Ma bonne petite que j'ai dit à Nice, là, il a commencé comme quelque chose comme ça. Jusqu'à il allait trouver l'ex de cette petite-là. Lui n'est pas sorti avec elle. Lui, Peter n'était pas sorti avec ma petite. C'est qu'elle su, il a commencé à la draguer, il a commencé à lui demander l'argent, des trucs comme ça. C'est là qu'elle a su que c'était un gigolo, bref, ça a dérapé. Mais il a tout fait, il a trouvé le copain de la fille qui est venu dans son direct pour participer.
pour commencer à dénigrer la fille, parler d'elle, comment elle est, son intimité, tout et tout. Mmh. Donc, l'homme est ce qu'il est. Donnez des conseils à votre star là-bas. Elle n'a qu'à oublier ce monsieur-là. Parce que tant qu'elle va faire même en parabole, elle va faire tant en temps, elle va dire, c'est-à-dire, ne serait-ce qu'un petit geste là, il va récupérer ça. Et puis quand lui sort là, ça fait gros sur elle. Vous avez vu tout ce qu'il a raconté. Une femme avec laquelle tu es sortie, tu as venu dire que c'était dans le noir, c'était amnia. Franchement. Ce que vous êtes causé, vous êtes causé entre monsieur et madame. Mais nous tous dans nos maisons, on critique, non? J'ai vu hier, on a fait sortir ce qu'elle a dit de Emma Loès. Même les, que ce soit les abonnés, que ce soit les quoi, il n'y a pas quelqu'un qui ne parle pas de quelqu'un. Tout le monde parle. Tout le monde parle de ce qui se passe. Si c'est un personnage public forcé, on parle de toi. Moi, où je suis là, les gens parlent de moi dans leur maison là-bas. Tout et tout. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, tout ce qu'elle t'a dit, quand tu cites le nom, comment on appelle ça? Elle a critiqué tant, elle a critiqué. Donc, quand elle a critiqué, elle a critiqué seule. Quand il sort, ça fait mouche. Merci beaucoup, Bertine Payet. Elle n'a pas critiqué seule. On ne critique jamais seule chez nous. On dit demander. C'est causerie qui s'en cherche causerie. Mais il a dit, putain, le téléphone que tu as, tu enregistres là. Faut nous donner la marque. Nous aussi, on cherche ça. Ah, parce que moi, je cherche quel téléphone. Ou bien c'est un iPhone 13, ou bien c'est quoi? Qui enregistre automatiquement là. Ou bien c'est un téléphone qu'ils ont. Ça a été fait sur commande. Toi, tu as commandé ça spécialement. C'est Peter qui m'a vu que c'est lui qui. Ah, pas je comprends. Non, mon téléphone enregistre seul. Donnez-nous la marque du téléphone là. Nous aussi, on va payer ça. Ah, parce que là, je ne sais pas c'est quel téléphone qui enregistre seul. Peter, nous, on te demande pardon. Parce que dans ce dossier-là, moi, je suis de ton côté. Ouais, je le dis. Je suis de ton côté. Parce que quand elle est partie avec ce monsieur-là, quand elle est partie même avec toi, nous, on a regardé comme ça. On dit, elle a tourné quand c'est elle, Peter, elle est venue. Pas parce que tu n'es pas un garçon, hein. Tu es un garçon comme tous les garçons. Mais c'est à cause de ce comportement-là. Ah oui, Death Love Sinclair, c'est une application? Ah, d'accord. C'est à cause de ce comportement-là. C'est ce qu'on craignait. C'est pour ça qu'elle est partie avec toi. On a fait un coup, un coup. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit sur les réseaux. Même les... Comment on appelle ça? Les Ekalova, non, Ekaland là. Hein? Même entre vous là, vous reconnaissez que vous avez fait un coup, un coup. La relation était un peu déphasée façon là. Tu comprends? Ah, c'est iPhone 13. Bon, moi, je n'ai pas le 13. Non, je ne suis pas encore arrivé là. Tu comprends? Sinon, ce n'est pas parce que tu n'es pas un homme. Tu es un homme. Tu comprends? Tu es un homme bien. Enfin, mais c'est à cause de ça. C'est ce qu'on craignait. Parce que toi, Peter, tu n'es pas le genre d'homme qui a dit que. Elle parle. Non, moi, je m'en fous. C'est que si moi, c'est que je suis un homme, je m'en fous. Toi, Peter, tu n'es pas dans je m'en fous. Toi, Peter, c'est que toi, tu sais, c'est pour venir rendre ton coup. Oui, tu es un homme. C'est vrai. Quand on dit tu es un homme là, tu n'aimes pas ça. Et c'est vrai. Tu es un homme, mais tu as le cœur. La preuve, tu as dit, c'est parce que dedans, elle a touché ta maman, tout et tout. Elle a touché tes parents, soit. Nous, on te l'accorde. Il faut laisser cette affaire de... Ça dit que même, parce que ce qu'on a remarqué, même si tu ne parles pas, mais si tu ne parles pas, vos conversations privées là, ça se retrouve aussi chez d'autres personnes là-bas. Non, c'est-à-dire que toi aussi, tu donnes aux gens. C'est clair, on a quand même dit la vérité. Ah, on dit c'est Samsung qui fait ça. Ah, d'accord. Sinon, il y a deux Samsung dans cette maison-là. Tu comprends? Bon, tu étais avec elle, vous étiez en train de vivre, vous étiez en train de... Et puis on s'enregistre. Bon, l'autre a enregistré, l'autre n'a pas enregistré. Enregistrement aussi est rentré dans les couples. Est-ce que les couples dits normaux là, est-ce qu'ils s'enregistrent? Donc, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un problème entre vous là-bas. C'est pas digne d'un homme ce que tu es en train de faire. Je comprends. Tu es choqué, son attitude t'offusque, tout et tout. Comme tu dis, c'est dans les inbox, c'est pas toi. Il faut avoir de la retenue, Peter, s'il te plaît.
Tu as vu aujourd'hui, tu te. Nous ne pas même qui te supportons, mais les propos que tu as dit, on ne peut pas dire on est d'accord avec ça. Ça, c'est clair. Tout ce que tu as dit sur elle, même si elle te supporte, je ne suis pas d'accord avec ça. Quel est cet homme qui est sorti à une femme qui vient dénigrer le corps de la femme avec laquelle il est sorti? Ça, là, nous, on ne peut pas donner raison dans ça. Ça ne se fait pas. Tu peux accepter qu'un homme est sorti avec ta soeur, un homme est sorti avec un membre de ta famille. Et puis cet homme-là, oui, même il n'est même pas personnage connu. Il est dans, entre vous là-bas. Et puis cet homme-là, tu entends qu'il s'en dénigrer l'intimité de ta soeur. Comment tu vas voir cet homme-là? Même si ta soeur s'est mal comportée, tu vas regarder cet homme-là avec dégoût, avec mépris, avec dédain. C'est comme ça que moi, je te regarde. Je ne suis pas surprise de tout ce que tu es en train de faire. Tu comprends? Mais pourquoi il y a certains garçons, quand des femmes font et puis elles disent que c'est pas grave, moi je laisse pour moi. Donc toi pour toi, dans ta vie là, il n'y a pas je laisse pour moi. Hein? De toute façon, elle dit je laisse à Dieu, c'est pas grave, je laisse là, toi il n'y a pas ça. S'il te plaît. Je crois que tu as fait fort. Tu as vraiment fait fort. Tu as fait fort, Peter. Tu dis que tu te mets à genoux. Donc si tu te mets à genoux, ça veut dire que tu ne vas plus ressortir. C'est pour ça que j'ai posé la question. Est-ce que tes excuses sont vraiment sincères? J'espère que de son côté aussi, les gens lui donnent des conseils là-bas. Laisse ce monsieur-là tranquille. Faut le laisser. Parce que c'est une bombe à retardement qui est là, ce Peter-là. Des gens qui sont... Ça dit un homme non limite. Un homme non sens. Parce que si tu as du sens là, tu ne peux pas venir dire ce que tu as venu dire sur elle là. Tu vas venir dire, tu vas venir décrire l'intimité d'une femme avec laquelle tu es sortie. Amonia, franchement. S'il te plaît. On te donne ta raison. Ceux qui veulent, il ne faut pas te donner ta raison. Nous, on te donne, moi, je te donne ta raison dans ce dossier. Depuis le premier jour qu'aujourd'hui, je te donne ta raison. Mais les propos que tu es en train de tenir, c'est bon comme ça. Qui elle a critiqué, qui elle n'a pas critiqué, il n'y a pas personne qui ne critique pas. Il n'y a pas quelqu'un qui ne critique pas. Que ce soit les abonnés qui, vous qui nous regardez dans nos maisons, avec nos amis, on critique. Mais j'ai toujours dit que quand on finit de critiquer, la personne maintenant qui prend pour amener dehors, là, c'est la personne qui est problématique. Donc, tout ce que vous êtes dit là-bas, tu as venu sur la place publique pour venir dire ça. Ça, c'est le comportement. Ça dit, c'est les femmes qui font ça généralement. Des hommes ne font pas ça. Tes amis garçons, là, tu penses que comment quand ils te regardent, Peter, comment tes amis garçons se sentent? Quand ils te regardent, c'est à elle lesquelles tu es dans le même mouvement de, comment vous appelez ça là-bas, la politique là-bas, là. Comment ils se sentent de savoir qu'un des leurs fait ça, un des leurs vient dénigrer l'intimité d'une femme comme ça, jusqu'à aller en profondeur, dire des choses vraiment pas bien entendre dans les oreilles. S'il te plaît. Tu comprends? C'est ça. Jusqu'à tu parles de ses enfants. Tu comprends? Tu peux même parler de ses enfants. Quand vous êtes en train de faire votre parable, elle a parlé de tes enfants. Comment ses enfants sont là-bas, tout et tout, s'il te plaît. On a tous nos cuisines internes dans nos maisons. On a toujours, ça dit, dans nos vies de famille, il y a toujours quelque chose de choses. Tu ne vas pas venir mettre ça sur la place pour lui, s'il te plaît. Quand elle t'avait pris pour te mettre dans sa vie, je ne pense pas qu'elle t'avait pris avec une mauvaise intention aussi. Il faut reconnaître ça. C'est une femme, elle recherchait l'amour. Bon, elle t'a vu, vous êtes aimé. Tu as été charmé aussi. Tu l'as charmé. Non, elle sait que tu ne l'as pas charmé. Tu l'as charmé. Elle est tombée amoureuse de toi. Vous vous êtes aimé. Si l'amour est fini, l'amour est fini. Moi, je te demande pardon à tout. Tu as demandé pardon à toutes les femmes, toutes les mères. Nous sommes des mères, nous sommes des femmes. C'est pour ça que je te parle aujourd'hui, à toi particulièrement. Tu comprends? Et quand tu es déjà sorti à lui, c'est toi qui étais venu. Tu étais la première. J'ai dit ça dans une vidéo ici. Tu étais là. Quand ça a commencé au début, là, les gens ont dit, laissez le monsieur. Quand il a fini de faire sa première vidéo, laissez le monsieur tranquille. Mais on voyait toujours les mêmes injures. On l'insulte, on le met sur des pages. Vous pouvez supporter votre star sans forcément insulter Peter. Je ne sais pas pourquoi vous avez de la misère à colmater ces deux brèches-là. On peut supporter et sans forcément insulter Peter. Mais ça, c'est un problème chez vous.
Dans les directs où vous, vous la supportez, vous l'insultez. Mais vous croyez que quand vous l'insultez aussi là, et quand lui il sort là, c'est un dérapage total. Je sais. Je sais que c'est elle qui le provoque, comme vous êtes en train de le dire, je le sais. Bon, entre vous deux, c'est qui a gourmé de qui même? Maman, c'est-à-dire, je me suis séparée d'avec toi. C'est valable pour l'homme et la femme. On s'est séparés, j'ai dit. Même ton poulet, même pas s'il ne me dit rien. Parce que je ne suis plus dans, ça y est, tu n'es plus dans mon cœur. Comment vous faites depuis les hommes avec lesquels vous êtes séparés, ou bien les femmes avec lesquelles vous êtes séparés, et puis ça a mal tourné, ça a tourné au vinaigre, et puis encore, j'ai prendre de mon temps pour t'envoyer des voices, pour t'insulter. Ah, mounia, c'est que l'amour est encore là. J'aimerais t'insulter là, c'est pourquoi. Défendez et cassant insulter Peter, s'il vous plaît. Vous allez voir que de cette façon-là, ça dit que ça va baisser la tension. Parce que tant qu'il ne sort pas là, ça va finir par passer. Vous comprenez? Lui, il est un garçon. Elle va sortir, elle va dire, tu es vilain, tu es sale, tu es quoi, quoi, quoi. Mais on va dire à une femme, déjà même, tu es sale déjà là. Ça dérange un peu déjà. Parce que le visage qui est là, là, chez nous, on dit, le visage ne mange pas autre chose si ce n'est pas la honte. On te dit, tu es jolie, tu vas avoir un peu honte façon là. On te dit, tu es vilaine, tu vas avoir. Donc, chez nous, on dit, le visage ne mange pas autre chose si ce n'est pas la honte. Donc, tout ce qu'il a dit, hier, sur toi là, il y a la honte dedans que nous, on a pris en tant que femme. C'est ça. Ça, Yvan, c'est Mougou, ça, c'est clair. There's love, c'est clair, c'est sûr. Peter, j'espère que mon message, tu l'as reçu. Prends de la hauteur, s'il te plaît. Oui, un homme, c'est un être humain. Ça fait mal. Un homme dont on insulte la mère, ou bien on t'insulte, ça te fait mal. Mais tu peux prendre de la hauteur. Mais c'est comme les femmes dans Palab, toujours je dis, ça Palab de femme là, c'est pas la bouche de la femme qui dépasse toujours. C'est la bouche de la femme qui dépasse. Mais si toi tu es l'homme, et puis j'avais donné des conseils ici, un jour quand j'avais commencé mes débuts de mes vidéos, j'ai dit que si vous êtes dans les maisons avec vos femmes là, très souvent nous les femmes là, c'est nous, on dit des paroles, on dit des ça dit souvent même, tu, comme dit mon mari avant, ça dit quand je te regarde souvent tu me dis des paroles, je dis mais vraiment. Parce que lui il a une seule phrase que lui n'aime pas, quand il lui dit, et comment il est là-bas, hey. Il dit, regarde comment il est seulement là. Je sais qu'il n'aime pas. Donc, avant, quand Palab est chaud là, je lui dis ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend son gros manteau là. Il s'en dehors. Il s'en dehors. Pourquoi? C'est pas parce que ce qu'elle lui a dit, ça lui a pas fait mal. C'est pas que ça lui fait mal. Il s'est dit, si ça arrête devant moi, il va me dire des paroles. Ou bien peut-être que si c'est quelqu'un qui est violent, il peut essayer de lever la main sur toi. Ça va créer d'autres problèmes. Donc, tout ce qu'on dit là, il faut prendre de la hauteur. Parce que c'est ça aussi un homme, hein? Un homme là, c'est ta capacité à pouvoir surmonter certains événements qui arrivent. Donc tu n'es pas garçon. Si on a venu dire putain là, tu vas t'élever. On dit ça, tu vas t'élever. Tu vas venir sortir. Tout simplement parce que tu as. Ça dit que, comme on dit chez nous là, son doigt est dans ta bouche. Oh, oui, gay, manangni. Hey, Peter. Même si son doigt est dans ta bouche, on sait que son doigt est dans ta bouche. Faut le laisser comme ça. Yeah, Peter. Vraiment, mes amis, je suis rendu à combien de temps? Ah oui, oui, oui. Nos bouches là, tu peux pas. Quand c'est quand le monsieur me dit, quand tu as parlé tout de suite là, 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 ça fait 1, tu as dit, 2, 3, 4, tu as dit quand 10. Le 1 que moi je vais dire là, c'est ça qui va me créer problème. Donc pour éviter ça là, moi je parle pas. Mes amis, partagez le direct. La langue pendue, c'est ça, tu as trouvé. Partagez le direct, je vais rentrer dans le vif du sujet. On est rendu à 700, partagez 1000 personnes. 1000 personnes, je vais vous dire les raisons. Vous avez vu que j'ai pris position, non? Ah, ferme ma bouche d'air. Les raisons qui ont motivé mon départ de la Libye. Je vais 1000 personnes connectées et puis après ça, je vais vous dire ça, je vais vous expliquer ça en 10 minutes.
pourquoi j'ai quitté. Pourquoi aujourd'hui, la Libye, où j'ai pris le tam-tam, j'ai chanté, comment on appelle, secrétaire général chargé de litige. Maman litige n'a même pas pu régler litige. Elle est partie. Ah, mouni, à partager. C'est gâté. C'est gâté même. Partager. Attends. Maman litige. J'ai dit que c'est moi qui étais président des règlements des litiges. Je n'ai pas pu régler moi-même mon litige et puis je suis venue. C'est trop fort. Partager. Partager. Peter ne répond plus. Merci beaucoup. Donnons-nous jusqu'à à la semaine prochaine. Et puis, vous aurez les vivres. Vous aurez tout. Partagez. Qu'est-ce que vous... Hey, Samuel Der. Good afternoon. How you doing? Ça va? C'est qui est Flora? J'ai dit, Flora, t'es pas gentil, hein? J'ai dit, maman a litige, n'a pas pu régler le litige, elle est sortie. Yeah! Hey! Pardon! Ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé même. Hey! Attends. Je vais voir, vous avez partagé combien même? Partagez le direct. Le direct n'est pas partagé. Vous êtes dans quel pays? Ben, je suis au Canada. C'est qui me pose cette question? Je suis au Canada. Partagez le direct. Pardonnez, partagez. J'ai des coups à faire. Ok. Attends, quelqu'un a dit quelque chose sur Peter là. Peter. Il veut juste intimider la dame Co, qu'elle me laisse tranquille. Ok, bon. Ça peut arriver. C'est possible. Ah oui, toi, je te vois là-bas. Je sais que tu es l'amoureux de... Tu crois qu'Aya va te regarder? Aya, qu'elle a son gars, hein? C'est que si tu es amoureux d'elle, tu as souffri en cachette. Aya, il y a son gars qui est là. Mes amis, j'ai trop à faire. Non, je ne veux pas niaiser là. J'ai assez niaisé là. Parce qu'après ça, je cours à la poste et puis je m'en vais au sport. Je m'en vais faire l'épicerie. Mes amis, je suis rentrée à la Libye. Bon, je peux dire bientôt 3 mois. Hein? Donc, bien donné. J'ai quitté la Libye. Moi, maman a un règlement de litige. J'ai quitté la Libye. Me fait rire. Pourquoi vous riez? Il n'a pas envie de parler. Oh, vraiment. En tout cas, ça m'a dépassé. Est-ce que ça... Mes amis, la raison pour laquelle j'ai quitté la Libye, il n'y a pas eu problème à la Libye. C'est aujourd'hui, la vidéo est là. Je vais parler aujourd'hui. Écrivez ça quelque part. Les 3 mois que j'ai fait à la Libye, que j'étais à la Libye, j'ai quitté la Libye, ça peut faire combien? 3. Ok, d'accord. Ben, ça fait comme, je peux dire, 3 ou 4 jours que j'ai quitté la Libye. Bon, en tout cas, en début de semaine, là. J'ai quitté... on veut pas rire. Oh, arrêtez là, arrêtez de me distraire. Mes amis, j'ai quitté la Libye, comme je dis. De tous les membres de la Libye, c'est moi qui suis l'aîné. Après, moi, vient Makoso.
Je crois la dernière, la moins âgée, je crois c'est Loli. De tous ces membres de la Libias, Monica Z, l'impacteuse, il n'y a jamais quelqu'un qui a eu un mot, écoutez-moi très bien, un mot plus haut que l'autre envers ma personne. Ça, c'est clair. Je vais le répéter autant de fois dans mes vidéos. Moi, personnellement, il n'y a jamais personne qui m'a manqué de respect. J'ai quitté la Libias parce que je suis débordée moi-même. J'ai quitté la Libias pour des raisons personnelles à moi-même. Ce n'est pas qu'il y a eu par là, ils ont fait avec moi. Quelqu'un n'a pas fait. Il n'y a pas quelqu'un qui va sortir un vocal ou un voice pour dire que voici, elle était là-bas, voici ce qui s'est passé. Aujourd'hui ni demain. J'ai simplement quitté parce que, de un, je manque de temps. Ça, c'est le premier élément. Toutes les réunions qu'on fait à la Libias en semaine, je ne suis pas capable de participer parce que les réunions se font généralement 20h heure de Paris, qui est encore, je pense, 15h ou bien quelle heure ici à Montréal. Je suis encore dans le travail. La quasi-totalité des réunions qu'on a fait à la Libias, j'étais sur mute. Je n'arrive pas à... Ça dit, j'arrive pas à donner le meilleur de moi-même dans cette ligue-là. Comme on dit, le bagage était plus lourd que moi. Je suis allé me mettre dedans. Ça, c'est un. Comme je dis, ça se rejoint encore dans le fait de manque de temps. Je suis trop occupé dans mon travail que je fais. Du lundi au vendredi, je suis trop occupé. Même les samedis, les réunions qu'on organise à Paris, heure d'Abidjan, moi quand ça commence ici, ça me fait, il est 7h. Je suis obligé encore de couper encore le sommeil du week-end ou encore les dimanches. Quand quelque chose ne t'arrange pas, il ne faut pas forcer pour rester dedans. Voici la raison principale pourquoi Monica Z a quitté la Libias. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un là-bas. J'ai laissé un voice à Makoso hier. J'ai eu une conversation téléphonique avec Yaka ce matin. Tranquille de tranquille. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté. Vous comprenez? Elle va te faire le point. Toi qui te là. Je ne sais pas qui va louer tes pieds, quelque chose là. Donc, c'est la raison pourquoi j'ai quitté. Je ne suis pas capable de donner le meilleur de moi-même. Mais tu es dans une structure où tu ne peux pas donner le meilleur. Pourquoi tu vas rester? Personnellement, moi, ma personne, avec tous les membres de la Libias, ce fut une très belle expérience. Contrairement à ce que les gens pensent de l'extérieur, Mimi, Lolo, comment, Yaka. Yaka que vous voyez, Yaka dit pas, il m'a jamais dit Monica Z. Yaka m'appelle Maman Monica. C'est comme ça qu'il m'appelle. Tellement il me donne le respect. Même Makoso dans ses folies-là, lui, il m'appelle Maman à Canada. Il n'y a jamais personne même qui me prononce dans la Libias. Donc, j'ai eu mon respect. Dans la vie aussi, quand tu as le respect quelque part, et puis tu sais que tu ne peux pas rester, il faut partir au moment où l'atmosphère est belle. Donc, j'ai agi comme en politique. Au moment où je suis là-bas, et puis mon respect là-bas, on m'a toujours honoré, on m'a toujours mis à ma place. J'ai préféré saisir cette période-là et puis partir aussi tranquillement. Sinon, il n'y a pas de problème avec personne. C'est ce que j'avais à vous dire. Sachez que j'étais parfois surprise quand je voyais, oui, tu as la Libya, tu fais les vidéos, tu n'es plus tant. Si vous dites ça, c'est de la bullshit, franchement. Parce que j'étais à la Libya, mais la preuve, quand je suis à la Libya, je me réveille le matin, je ne regarde même pas vidéo de qui a fait. Je reste toujours dans mon raisonnement. La preuve, dans le dossier de Lady Sonia et de la coach, il y a certains de la Libya qui étaient du côté de comment on appelle ça, de la coach. Mais moi, j'étais du côté de Lady, je trouvais que c'était correct. Lady avait un bon comportement, même si à un moment donné... Bref, c'est ça qui est ça. Donc, désormais, Monica Z n'est plus à la Libias. Mon poste de secrétaire général, règlement de conflit, j'ai démissionné de ce poste. Je ne suis plus là-bas. Tout ce que je fais, c'est en mon nom propre à moi-même. Je ne suis plus affilié à la Libias. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Sur ce... Prenez soin de vous et bon samedi chez vous. Au revoir.